amali nous quand on va aller à Flebro on monte ce moment de la suite avec les on y a bon bien à la même tout comme que les bon on y comme ça on va faire bon là ni bien qu'on a fond ma bon qu'on a c'est au moins mal armé frappe donc qui tient sa boîte en tout pas mal chi tambon on roule la tata là ni amora ni kasala do kera sebu sera la ali ni kita abuna fami ko ma so no ko fa mo di kena konana bismillah ko na fonu kena konana ba ma ci tamali armée yo bla gata la hara tin zawaten kunu shura mali armée yo communiquer doke armée ay rafa ko yefra bu doke tin zawaten frapon kira romna kilu nan ni be on tin zawaten do wonna ce ne ta tin zawaten ngol do ya fa fa fe ni frapon kira ta ta doni armée ko kam mena bra jati mel ken ni woron muna sabula na fa ya fa ina tukamna mal armée bra ki dalé région de demina ko sebe kene kene la tinza waten mi amadru nu kroyu luga jati mi liga boyi no ko sebe wori hokum ko na armée ko ku yini bamba ka tin jati mi mun na ni yoraina mi an sa fek rek fon lui fra pou jiki buka ni am ko tan ko bla la hara ula e ba e ga fokata kari dum kana bla tra la dona mal armée ye fra pou ke yoro sa bade la ki dalé région kari dum armée ye fra pou do ke tinza waten ni armée ay dafa ku yiba ma ka tin mo am la ka tan la hara ko fe ta ji mart wi frappu do fene keino ni ki dalé région ba ma ka ci koro wala bora kay dafa ko ko mo wolon fa tora o frappu ina tara da do fene armée ye frappu do ke ni armée ye communiquer ko nu kay dafa fo ko tara da do mi di wati wi frappu do ke ni ra ko fane ina ni ba ma ka ci tan ko lu la ka tan la hara alisa mi to la kana ko konana gazina mi signana ba ma ko kalo kelen konana yirma jo kom seriamo lu tike da zo che woroka ni zo woron no ulma mine affaire kelena umne na affaire sabadela a affaire folo yirma jo butiki don binkera o ka shufa la feni o gara o to kalo kelen mo annani ka dugo jo to kalo kelen mo ani durula nga mo gam ye shweni ke ali jaw de yera kamera la sabula kamera ku mi butiki ko fali yon konana ni janu yele mi yirma jo polisi so mo ko yu yi ankati daile fukata tike da ni che ku fali nga chey minale aira ka fuko marfa do be apolo aira ya gira fuko chenu ko ali ye ko inga ko nga ko ali kelete ko ali ni mo fla wore dia ke bena jile tike da u be ka o ko fe mi sira ko ne geta nay budi do fne yino fne bana kila zoom fna fe o zoom mu tike da na u fne ka aira la ka fuko ni geta lo bo ni geta ni fe mi o ko mi u lo bolo a affaire sabana chedo ni ali ra ida ka fuko bi gara ali ka ja ali ra de zuni ni ko inga ida ma jotu ko ro ni de la ni o kera jwe kalo kleta ani chegi temene ni chen aira la kafo ko ani aterge do wila la motori safla la kata igrima jo isha jira tuwara la huku mifa mtu tiki dole ka moto draki ala o moto tiki nye mungu kon wili ula kisaya alisoro atike la nga abinafo o moto tiki nkuye ten tikiri oko niya aira nyini ulu yere fine ubulla kisaya kon ni alikon soro atike la aterge nye utakara alibla wadala ninga iire nyini alika furake ludi ukona na polisu yetike da aka aya ira kafo ko ale dara ma ko inke ko ani atarege do do ani atarege fla be tige dara bo bela jelen kan kalu men kon nana yirma jo kon sera mo lui zo che woro wi tige da o di kan affaire sabala mi wati na bi justice ka bolo kan kuna fani fla na mo wata ani saba le sa ka sera ma kasara la bi bi fana anti mo le yonje kare do kasara kira yoro mina saniga se yinno mo wata an so le bolo na uni na ni yoro ko falena ay dala ka fugo biso mane na mi e cardo ya leni chache bo bendo ulu yenyo ko solo fana ko fe ki kuna bu mokoka mo mo wa ani kono to ulu jogina ni do ko jogina jogara ko sebe ni wakati na sere ban kasa ke le ko sebe ka mali on kono na ga wakati do la ko ma ku chena gouvernement ku ye fere do ta nga o fere no ate ka labatu sabula ay dala ka fugo ka ta shum ni na kana bla 6h du matin na ko mi ka ru ko bolo liga jo nga iba ye ka fo sirama kasara mun beke wakati mun na beke 4h du matin ali ni 5h du matin ni aflana mabulu bifa gouvernement ku ye wale nko wa gouvernement ku ye ya fina fa ko ko GPS do kare nun nga nga iba ye ka fo o shide te kake bi do ko kelen kon nana mo mo nu ni tura sirama kasara la yoro kelen na ni o yiti mo ni o ta mo mo bana mi ne sira ka fo mo goyi ami do ne ke ala ganyina pa mo katola kanu ga ke abana ma to yi likado ni fana ku na funi ngotu ni fana sira ka min kera ka an tabali ba
fana ani kilo bisaba ani ɲɔgɔn cɛ i ka dɔ remorku belebele dɔ ale kasara dɔ a y'a sɔrɔ bi n kɔ tuguni ani kar dɔ kar ni mɔgɔw ka kunnafoni diw la i ka dɔ a fana dega bonyana nka an bɛ dugawu de kɛ ala ka kisiw kɛ ka tangaw kɛ ni an bɔra siraban kasara la mina so kasara la an bɛ taa kita kita a yirala ka fɔ eglizi dɔ ni o ye eglizi protestant dɔ ye o bina eglizi in bina kunu de a ma kɛ kare don an fɛ o la mɔgɔ bɛ se ka fɔ ko a kasara dana sira la hali ni y'a sɔrɔ a bina mɔgɔ fila de kan mɔgɔ fila olu kɔni ni kɔni tora ni kasara in na nin wale in kɛra kita de an kunnafoni ɲɔgɔn minnu bɛ kita olu ye ja dɔw ta ko in kan aw ni ne an ka jɛ an ka jaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Eglizi protestant min bɛ pɔsu la kita ni jama bɛ taa yen tuma o tuma i b'a sɔrɔ a falen don mɔgɔ la nka ala yɛrɛ nana n'a ka na ye. Bi fiɲɛba min tira ka kɛɲɛ ni utukalo tile 28 ye kita fiɲɛ barika bonya la kosɛbɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔ caman tun tɛ eglizi kɔnɔ eglizi bɔra ka bin i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na maa fila o ni tora a la maa kelen o sɛbɛkɔrɔ banana kosɛbɛ. Kunnafoni sabanan nigeria chef d'état major tun bɛ tagama la niger kɔnɔ nigeria chef d'état major ale ni délégation belebele tun bɛ tagama la niger kɔnɔ kabini coup d'état kɛra niger. Ni a san kelen ye ni dɔɔni ye bɛn tun tɛ ni jamana fila ye ɲɔgɔn cɛ sabula nigeria jamana kuntigi ale ni alasan dramano taara ka yamaruya kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko sedaw kun nale miliyar jɛkulu la wuli ka taa niger atake ni ka bazo min bere nka bi mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko bɛɛ kɛra ko kɔrɔ ye sabula nigeria ye a ka chef d'état major bila ni délégation belebele ka taga niger u ni niger délégation u ye kunu tile korokara bɛɛ lajɛlen kɛ baara la o kɔfɛ u ye communiqué dɔ kɛ communiqué min kɔnɔna na nigeria y'a yira ka fɔ ko ale tɛna kɛ sababu ye dɔ ka tɛmɛ ale ka frontière fɛ ni ka na niger attaqué niger fɛnɛ y'i kale k'a fɔ ko bolodiɲɔgɔnma min bɛ u ni nigeria ɲɔgɔn cɛ k'u bɛna fɛn bɛɛ kɛ ka se ka u lasabati u ko ko force militaire dɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko niger bɛna i sen don u la don n'a nata la u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na min ye nigeria chef d'état major ye a ye niger chef d'état major invité a fɛ yen nɔ accord min n'u ye a signé ni o kɛra kunun accord in a kan ka sigi sen kan cogo di. Musaka jumɛn kan ka don a la a ye niger chef d'état major invité a fɛ yen nɔ baara kun filanan minnu kan ka kɛ o kan o ka taa kɛ ale fɛ yen nɔ nigeria nin communiqué min kalanna a kunu aw ni ne an ka jɛ an ka kalan kɔnɔna mɛn ɲɔgɔn fɛ. Les deux parties ont réaffirmé leurs engagements à reprendre et à renforcer leur collaboration en vue d'assurer la stabilité et la sécurité régionale. La partie nigériane a réaffirmé que le Nigeria est universellement connu pour son adhésion au principe de bon voisinage et qu'il ne serait pas utilisé pour déstabiliser le Niger ou l'un de ses pays limitrophes. La partie nigérienne a affirmé qu'elle était prête à reprendre une participation active de coopération en matière de sécurité dans le cadre de la force multinationale mixte, FMM. Le chef d'état-major des armées de la République du Niger a accepté l'invitation de son homologue à se rendre à Abuja, au Nigeria, où ils finaliseront les modalités de la coopération. Les deux chefs d'état-major des armées ont également convenu de la mise en place d'un groupe consultatif composé des deux parties et chargé de discuter des questions diverses d'intérêt mutuel et de maintenir un dialogue permanent entre les deux armées. Ils ont convenu que les groupes consultatifs devraient avoir pour mandat commun d'élaborer les mesures visant à renforcer les relations bilatérales. Et enfin, elles ont convenu de se réunir à une date ultérieure pour discuter des modalités de la reprise de la coopération bilatérale en matière de sécurité. Kunnafoni nana Paris Jeux Olympiques banna Paris Jeux Olympiques ale kuma cɛlen don kosɛbɛ nin wagati n'a Bamako ka kɛɲɛ ni an ka jamana tagali ye Jeux Olympiques la Mali tagara ni sporkɛla duuru ye o sporkɛla duuru nin kun bɛ ka discipline dɔw kɛ sport kɔnɔna ni n ka jamana représente nka nin wagati na gouvernement ye joli le di nin sporkɛla ninnu ma ka u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye Jeux Olympiques la i b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ na min ye ministre des Sports ale bɔra k'a yira k'a fɔ ko gouvernement ye miliyɔn kɛmɛ saba wa kɛmɛ ni wa mugan ni di sporkɛla ninnu ma minnu ka taa jamana représente u ka se ka baara kɛ cogoya min na cɛkɛda min ɲɛsinnen don Jeux Olympiques ma ni o ye comité olympique ye olu bɔra kunu ni ka ɲɛfɔli kɛ nin ko in na u y'a yira k'a fɔ
ko musaka mini adira oluma ni o gafe re dira oluma mini se de sofe ko oyi million bi ko nton ani sabadi ko ni mo ko do bara gaira ka fo ko million ki me saba ni wa ki me ni wa mo wantira oluma ko aka ka mo ko bo kanye folke akula comité olympique trésor général ni ali abdoulaye koulibaly ani ajeno uye kuna fundi kana dosike kunu kanye folke ni musaka ko ina oni ni ana je amu lami an fa mal ko ina so ala ka sabi mi re dira mba do ko kuma bo woro de fe million kemi sala ani bi woro onye million bi ko lon toni sabade soro da o papier o ba ngulo ya o bise ka la je on abse kunu o sere sere an ga niveau la mbeseka ka million kebe saba ni bi woro la anyi million bi konon ani saba de soro wa o million bi konon ni saba mbora ka fonga kuma la million tan kle ani wa keme ani wa bi na ni ani segi amono fere la sego la de parce que o ma dépenser donc ni jatimina ke ka sami bi bi ndela on ma on ga jeux olympiques barake pour peut être million bi segi ani flarema soit kemé kemé si yoro on ye moani flade so oh ato bi wolom la ni segi obé awa ministère mimé falbo ko kan nyanago ko donc 78% bi wolom la ni segi sara clairo la autora ministère ka niveau la Alissa météo sport ko konnana Mali entraîneur Kouraso Tom Saint-Fit allez Belgique entraîneur allez de kera Mali ekru ko entraîneur Kouray Fédération nationale du donati koma weni ce ko falen jaida ka ida ka foko allez de kera Mali ka entraîneur Kouray Tom Saint-Fit iba ye ka fo allez kunye Gambi entraîneur Gambi chef lam talim ke kanina o kera ni ce ko falen atarani Gambi chef la kanna nga jamais tibene na ko de bar kanna aya akademisyon radi kayira ka fo ko be fakata ekip wore antreni kuna fonu kunchala Senegal ministre des affaires étrangères Yassine Fall ale be ta xamana Russi ni wagatina Yassine Fall ni ale Senegal ministre des affaires étrangères ale be ekli fa ta xamana Russi ko fino Sergei Lavrov aya invitation ci ama o korba ida ka fo kali jamana mun be fransi ka mon korala un bébé gata affaire ken yurisi Sergei Lavrov ni Yassine Fall ni ale Senegal ministre des affaires étrangères yo kuna fundi kana rasiki o kana ka Sergei Lavrov ya ira ka fu ko be baraka ni Senegal ni sabula bi ba ma ka ci kelam be sayel jam no konana ni Senegal mi labe a be so ha jigi ko ko ci jam no ka ko o la ni Senegal ma ko be mino minena yurisi be no ka ademe Sergei Lavrov ya ira ka fu ko so ba sira fe ko bolu ñu xama chama ni bi yurisi ani Senegal ni ñu ko ci ako ko dori mina faro bolu ñu xama ni kan do na tawla oni ni anaji a Sergei Lavrov ni ali yurisi ministre des affaires étrangères ako ko mo la me ñu ko fe ale ko fe Yassine Fall Senegal ministre des affaires étrangères ako fe ne ko mo la me kam bi ko na fon ko ci ni we bien sûr nous avons abordé la situation autour de l'Ukraine. Le Sénégal occupe une position de principe pondérée, objective, et nous, la pression, nous allons continuer d'informer nos amis sénégalais, comme tous les autres représentants de l'Afrique et en général du Sud global et de l'Est global, sur les situations qui se déroulent. Et nous, nous souvenons que le président Poutine, en juillet, a proposé une nouvelle initiative de paix après que les autres initiatives et les accords ont été rompus, ont été détruits et sabotés par le régime de Kiev et ses parrains occidentaux. Et notre volonté aux négociations n'a pas eu de doute, mais mais la situation dans la région de Koursk, il ne peut être question des négociations. Et nous avons abordé la situation dans la région du Sahara Sahel, y compris les situations au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad. La Russie a exprimé la préoccupation profonde liée à la croissance de la menace terroriste dans ce coin de monde. Les groupes islamistes affiliés avec le Daesh et Al-Qaïda étendent graduellement leur influence
leur activité aux pays de l'Afrique de l'Ouest, et y compris les pays voisins du Sénégal. Et nous sommes prêts à coordonner nos efforts pour faire face à ces menaces et nous sommes prêts à aider le Sénégal et d'autres pays africains pour renforcer leur capacité de défense et augmenter les capacités antiterroristes des services spéciaux. En général, nous nous prononçons pour que la situation dans la région du Sahara Sahel sera la question des discussions des pays africains eux-mêmes. Nous sommes prêts à les aider sur la base bilatérale, comme j'ai déjà mentionné, y compris par le biais d'augmentation de capacité des services spéciaux pour protéger les territoires nationaux. Nous allons continuer de développer la coopération économique avec nos amis africains en conformité avec la décision prise au cours de deux sommets Russie-Afrique à Sochi et en 2023 à Saint-Pétersbourg. Et cette année, en novembre, Sochi va héberger la première conférence ministérielle Russie-Afrique sur la demande des leaders des États. Nous allons aborder la question de la réalisation des accords et la solution des problèmes abordés au cours des négociations au plus haut niveau. S'agissant de notre coopération bilatérale, nous avons un cadre réglementaire très riche, composé d'une trentaine d'accords. Mais nous souhaitons la renforcer notamment dans les secteurs tels que l'exploitation minière, l'énergie, l'agro-industrie, la recherche scientifique, la formation dans les métiers liés aux hydrocarbures, ainsi que la pêche. Nous avons abordé la relance du mécanisme de consultation politique établi en 2007 entre les ministères des Affaires étrangères, 14 ans après la convocation de sa première session tenue en 2010 à Moscou, à l'invitation de la partie russe. Je me félicite également de l'inauguration de la Chambre de commerce et d'investissement Afrique-Russie-Eurasie, première du genre en Afrique, qui sera un catalyseur dans le renforcement des échanges multisectoriels entre le Sénégal et la Russie, et partant avec ceux de tous les pays du continent africain. Ces dernières années, plusieurs investisseurs russes ont démarré des activités au Sénégal. Parmi ces sociétés russes présentes au Sénégal, on peut citer Atlantic Seafood, qui intervient dans la production de farine de poisson et de surimi, ainsi que dans la congélation de produits halieutiques. Flash Africa Sea Products, qui a repris Africa Mer. Afro Export, spécialisé dans le traitement de l'exportation d'arachides essentiellement vers l'Asie. Yango Sénégal, qui évolue dans le transport routier. En outre, l'installation d'une chaîne de montage de camions Kamaz au Sénégal est envisagée par les autorités du Tatarstan. Cette usine devrait, à terme, alimenter le marché ouest-africain et au-delà de la sous-région à la faveur des facilités qui seront offertes à la zone de libre-échange africaine, ZELECAF. Il convient de noter que 167 véhicules Kamaz ont été déjà livrés au Sénégal. En 2021, des chauffeurs et mécaniciens sénégalais ont été formés au centre de la formation Kamaz à Neberezhensie, Chelsea, en Russie. Je voudrais donc inviter les chefs d'entreprise russes à collaborer avec les entrepreneurs sénégalais pour investir au Sénégal. Le Sénégal est un pays paisible, démocratique, qui présente diverses opportunités et ainsi peut mieux faire pour connaître le savoir-faire et leurs produits au marché de l'Afrique de l'Ouest. En outre, les échanges commerciaux entre les deux pays estimés à 1,5 milliard dans 2022 pourrait être considérablement augmenté si les opérateurs économiques des deux pays arrivaient à mieux se connaître. Concernant la coopération en matière de formation, depuis l'Union soviétique, la partie russe offre des bourses pour la formation des cadres sénégalais dans différents domaines. D'ailleurs, pour l'année universitaire 2024-2025, comme l'a dit monsieur le ministre, la Russie a décidé de porter à 100, plus de 100, le quota des bourses allouées au Sénégal. J'exprime ma gratitude à la partie russe et salue l'élargissement des offres de formation aux filières scientifiques, des technologies de pointe, de l'ingénierie du pétrole et du gaz,
dans le contexte de l'exploitation des ressources minières, gazières et pétrolières et de la transformation industrielle que le Sénégal voudrait opérer. En interrogeant l'histoire proche, on se rend compte que l'Afrique et le monde russe ont entretenu des liens étroits qui remontent à la décolonisation de notre continent, puis à travers le combat contre l'apartheid. Nous avons aussi abordé la recrudescence des actes terroristes au Sahel et l'urgence de les éradiquer. Il en est de même des conflits qui secouent le monde. Le Sénégal encourage la recherche de solutions pacifiques négociées aux différentes crises, que ce soit entre la crise russo-ukrainienne, que ce soit aussi au sein de notre continent, au Soudan et en RDC. Le secret de cette première édition du partenariat russe-afrique en 2019 à Sochi, en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, contribue au renforcement de la coopération avec l'Afrique en mettant en place un partenariat rénové. Ce partenariat est une belle opportunité et une nécessité pour les deux pays de renforcer la coopération dans divers domaines, y compris la hausse des investissements et la collaboration des entreprises russes avec les entreprises africaines. Aujourd'hui, la Russie joue un rôle important de premier plan dans les BRICS et qui connaissent un énorme succès et continuent à rééquilibrer les échanges économiques internationaux. L'intégration de nouveaux pays africains dans cet organe traduit la confiance placée au potentiel de notre continent. Dans cette perspective, il faut identifier un certain levier, un nombre d'obstacles. La relative méconnaissance réciproque des marchés africains et russes pour les entrepreneurs russes africains. L'intensification des rencontres et des voyages, l'augmentation des bourses d'études, la mise en place de centres culturels russes en Afrique et la tenue plus régulière d'événements culturels africains en Russie devraient contribuer à atténuer les barrières linguistiques et culturelles et favoriser un plus grand rapprochement entre les entités. La mise en place progressive de la ZELECAF qui va booster l'intégration régionale est une opportunité qui devra être saisie par les entreprises russes. À ce propos, la Russie pourrait tirer parti de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il s'agit également de promouvoir l'industrialisation des pays africains en renforçant leur souveraineté énergétique, scientifique et technique. Et dans ce cadre-là, le transfert de technologies pourrait jouer un très grand rôle et nous attendons la Russie dans ce sens-là. Dans tous ces aspects, la Russie dispose de capacités avérées et manifestes et qui pourraient aussi renforcer la collaboration dans ce sens. Je voudrais aussi encore une fois dire que la position du Sénégal par rapport au conflit russo-ukrainien est une position de neutralité, une position qui appelle au dialogue, à ce que les deux parties se retrouvent dans la table et discutent pour des négociations de paix. C'est la position du Sénégal. Et c'est la position de l'Union africaine. Ces quelques accès que je viens d'évoquer préviennent montrent donc en suffisance la réalité des immenses opportunités d'échange d'affaires, mais aussi de renforcement de la paix et de la position entre la Russie et le Sénégal au niveau international, qui souvent sont des positions qui se retrouvent, surtout par rapport à la question palestinienne et le génocide d'Israël contre la Palestine. Aujourd'hui, nous apprécions la position de la Russie par rapport à l'initiative de l'Afrique du Sud que le Sénégal salue par rapport à la question palestinienne. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre attention. Sanga ani wakati, hako grupu WhatsApp usan filala. Obisika ni numboro kufali yengwele ni oyi. Bi kono towa ani kile, mwa ani kile, bi nani, bi shegi ani nani. Hula, kondisyon fempe wala yasa obisika do hako grupu WhatsApp ula. Abu bela jelen soro ni numboro infe.